arrête maman. Je veux pas que tu me laisses seul, je suis dans tous mes états. Ouais maman, y'a mon frère et y'a moi, et tout le passé derrière moi. Je veux faire de la voix pour toi car t'es la seule qui me laissera pas. Papa. Voilà à quoi ressemble la gueule du monstre. Donc quand tu vois un trois quarts comme ça, tu te dis what the fuck bro. Tu vois, donc il est vraiment très tuning. Aujourd'hui, je me suis fait attaquer par un canet corso. On était parti se promener avec ma maman quand tout à coup on a entendu des cris derrière nous. On a vu une dame très âgée qui avait perdu le contrôle de son chien. Le chien était hystérique et très agressif et la dame n'avait aucun contrôle sur lui. Elle a fini par lâcher la laisse et le chien s'est précipité sur moi. Il m'a percuté et s'est mis à me mordre violemment le visage et le cou. Ma maman a sauté sur nous et a tenté de nous séparer, mais elle a dû rapidement employer la manière forte car le chien était hors de contrôle. La dame n'avait pas bougé d'un poil et regardait ma maman et moi se faire attaquer par son chien. Grâce à ma maman, j'ai réussi à me sortir de ses crocs et à courir très vite en roulant. Maman a réussi à coincer la laisse entre deux arbres pour empêcher le chien de recommencer. La dame s'est soudainement mise à hurler sur maman en lui disant qu'elle n'avait pas le droit de toucher à son chien. J'ai fait un trou au-dessus de l'œil du canet corso pour me défendre et la dame a dit qu'elle allait me tuer car j'étais un danger public.
Ma maman s'était énervée et lui a dit qu'elle avait beaucoup de culot de dire ça alors que son chien a failli me tuer et qu'elle n'en avait absolument pas le contrôle. La dame a dit que c'était pas une grosse perte car pour elle, ma race est un danger public et n'aurait jamais dû exister. Ma maman s'était énervée encore plus et a menacé la dame d'appeler la police et qu'elle allait exiger une évaluation comportementale de son chien. Pendant ce temps, je n'osais plus approcher de ma maman et le chien continuait d'être hystérique. Maman décide alors de prendre la dame et son chien en photo et de commencer à partir. Mais la dame était tellement méchante qu'elle a vite détaché son chien et je me suis fait encore mordre à la cuisse. Heureusement, des promeneurs ont entendu l'altercation et un monsieur a réussi à contrôler le canet corso. Nous sommes vite rentrés à la maison et heureusement, je n'ai que des contusions et égratignures. Maman va aller à la gendarmerie pour porter plainte contre la dame.